Bon, la Saskatchewan River est quand même barrée par un petit barrage. Ce qui veut dire que de temps en temps, le niveau de l'eau oscille, baisse. Là, c'est plus embêtant pour le filet, parce qu'il se retrouve au fond. Ou monte. Là, c'est plus embêtant pour nous, parce que on a de l'eau qui passe au-dessus de la glace, comme aujourd'hui. Ou on ne sait pas trop sur quelle épaisseur, donc on teste avec un bâton. Là, j'ai déjà fait. Et ça sort de l'eau parce qu'on glisse sur la glace dessous l'eau. Voilà. Si jamais un jour on vous dit est-ce que c'est possible qu'il y ait de la glace dessous l'eau, vous aurez envie de répondre bah non, c'est possible. C'est possible. Regardez la preuve. On voit même mes pas d'hier et les traîneaux. Voilà, donc aujourd'hui pour aller chercher de l'eau, il faut marcher sur l'eau. Il y a toujours des belles fissures comme là qui montrent que. Là, c'est vivante, un peu comme un glacier. Ça bouge. Sauf que ici, les crevasses n'excèdent pas 40 ou 50 cm. Le danger, ce serait de tomber dans un trou et d'être emporté par le courant. Parce que le prochain trou, c'est la mer, a priori. Et encore, elle est aussi gelée puisque c'est la paix du Tsum. Voilà, donc tout ça bouge, hein, c'est vivant. C'est rigolo d'ailleurs d'entendre les petits craquements. Comme si les bulles qu'émettaient les poissons venaient choquer contre la glace. C'est très impressionnant la nuit, on vient regarder les étoiles parce que c'est dégagé de partout. Et on entend des... Quelquefois même une grande fissure se crée comme ça, d'un coup. Et là, c'est très bruyant. C'est quand même sympa le silence. Hein. À part quelques corbeaux, les loups quelquefois, les chiens qui répondent, et quelques crissements angoissants de la rivière. On a l'impression que son cœur bat. Poum, 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 poum. Voilà, ce petit moment de silence vous était offert par la famille Caroline Fabrice et Noé, qui vous invite à retrouver une simplicité de vie pour déguster ce genre de petits plaisirs gratuits et renouvelables. À bientôt!